Yo, c'est Nazokada. On se retrouve pour la deuxième arène de Pokémon Saphir Alpha. Alors, contrairement à la vidéo précédente, on va se faire les matchs qui précèdent le champion parce que ça fera vraiment des vidéos assez courtes de peut-être 4-5 minutes. Donc, c'est histoire de. Alors, mon équipe, j'ai juste level et puis j'ai activé le multi-expérience parce que ne l'ayant pas utilisé quand je l'ai reçu, mon équipe était vraiment sous level par rapport à Roxanne, donc dans la vidéo précédente. Donc, je me suis dit, ça serait juste un plus pour aider l'équipe à up. Sinon, il y a Poussifeu qui évolue donc en Galifeu. Oh, je déteste quand ils font ça, ce type de combat. Donc Poussifeu a évolué en Galifeu. Rien de plus à ajouter, sauf que j'attends d'avoir mes deux Kirlia pour avoir mon Gardevoir et mon Gallame dans mon équipe. Donc aussi, il faudrait que je pense à récupérer une pierre aube. Si je fais alors, il va prendre une nouvelle attaque. Non, ça c'est Hervenard, on oublie. Voilà. Si quelqu'un donc qui a plus, je suis sûr que beaucoup de gens sont largement plus avancés que moi. Si quelqu'un a une pierre aube et qui aurait l'âme charitable de m'en passer une. Ce serait vraiment sympatoche. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et je fais quoi? Oui, mais je fais quoi moi après? Je ne comprends pas le principe de l'arène. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, bon. Non, je ne sais pas. D'accord, ok. Ah oui, il fallait comprendre ça. Ah d'accord. Ouais, moi je suis vraiment à l'ouest là. J'étais vraiment à l'ouest pour trouver ça. Non, mais c'est bien qu'ils aient changé le concept des arènes. C'est vraiment pas mal. Ça me permet de resavourer un jeu que je n'ai plus actuellement. Je n'ai plus ma version Saphir parce que de 1, bah, il y avait un mauvais œil qui avait ruiné ma sauvegarde. Et de deux, c'est que entre-temps, ben, il est perdu. Donc voilà. Ok, Tikal est au niveau 15. Iten est au niveau 15. Ashe au niveau 14. Poussifeu, donc Nazo est au niveau 16.
Allez. On va entraîner Iten le temps 2. Ok, d'accord. Oh bah excuse-moi, hein. Il faut bien que je dérange ton Bastien, si c'était ta... si c'était ton gars. Non mais... So much power. Oui, je joue en défini. Je refais comme je l'ai fait dans... Je l'ai fait à partir de... De Pokémon noir et blanc. Je joue en défini. Sinon, je trouve que c'est beaucoup trop facile le fait de savoir quel Pokémon l'adversaire va envoyer et anticiper. Alors, tac, 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 ok. Non, il fait des tractions, il fait des flex. Why not? Alors, pour ce début de combat, on va mettre H. Peut-être qu'il gagne un peu d'XP aussi, ce petit bonhomme. Découvert le secret de la vraie puissance en fixant un Nautile. Lord Helix. C'est un partisan du fossile Nautile. Un partisan de Ammonita. Loué soit le saint parapluie, il est des nôtres. Ça me rappelle dans le dessin animé quand Sacha va affronter Bastien première fois, son Makuhita l'avait éclaté d'une force. Bizarrement, deuxième combat, Sacha a la même équipe. Enfin, dans le premier épisode, Makuhita il le bat, après il évolue en Ariyama, il l'explose. Deuxième match, c'est la même chose, mais il bat Ariyama. Why not? Makuhita. Non, bah, je crois que H va se les faire. Oh, il baisse ma précision, mais comme c'est dommage. Je vois Angelus touche à chaque coup. Pouit. Et voilà. Deuxième badge, sans même prendre un dégât. Hey, Nazo monte au niveau 17. Oui, Thibaut. Comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, Nazo est une fille. Ouais, mon poussif est une femelle. Donc ça pourra pas être un Turbo KFC. Ça sera Turbo Nuggets. Ah, je chope Gonflette. Oh, c'est super bon. Direct, je la mets à Galifeu. Et peut-être à d'autres Pokémon s'ils peuvent la prendre.
gonflette, bulk up, do you even lift? Voilà, maintenant je peux me barrer. Et ben voilà, c'est ce qui conclut l'arène de Myokara face à un bastien, ma foi, assez faible. Dans mes souvenirs, j'en avais drôlement bavé. Donc voilà, je vais juste me diriger vers la grotte machin bidule. Et c'est là que je vais vous laisser. Moi, je vais continuer mon aventure tranquillement. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Que votre vie sociale et familiale n'a pas été trop détruite par Smash Bros. Sur Wii U et la sortie de Rosa, Pokémon Rosa. Je l'admets, ma vie n'existe plus. Plus. Je suis une loque prisonnier d'un monde virtuel. Un peu comme Sword Art Online, quoi. Nerf Gear sur la tête. Link start. Allez, peace.